Hebdomadaire de l'actualité avec Michael Modricamen, le président du Parti Populaire. Alors surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, à partager cette vidéo et à commenter. Monsieur Modricamen, bonjour. Bonjour Nicolas, voilà, nous sommes de retour. Aujourd'hui, nous allons commencer par parler de la facture d'électricité du Belge, donc, qui est près de 90 à 100 euros plus chère que l'année précédente. Oui. Je crois que les prix de l'énergie explosent en Belgique. C'est dû aux politiques énergétiques menées par la Belgique et globalement par l'Union européenne, la fameuse transition énergétique, où on fait payer certains délires, on veut même être plus catholique que le pape, mais certains délires, finalement, où allons de base, où allons à monsieur tout le monde, qui voit le prix de l'énergie donc exploser. Et là-dedans, le coût de l'énergie réelle pour une facture moyenne de 1000 euros, c'est 250, 270 euros, c'est-à-dire 25%. Tout le reste, ce sont des taxes et des surtaxes pour payer les éoliennes, pour payer le renouvelable, pour payer toute une série de choses, le photovoltaïque, l'éolien. Donc, on est en train de pressurer un peu plus les ménages. Ce qui est étonnant, c'est quand même la couverture par la presse. On a l'impression qu'en fait, cette augmentation est naturelle et qu'elle ne résulte pas de choix politiques. On nous dit que le prix du gaz augmente. Mais on oublie de dire qu'on va devoir faire des centrales au gaz pour sortir du nucléaire. Voilà. Alors, en plus de ça, les centrales qui ne coûtaient rien, qui sont amorties, on veut les remplacer, on veut construire des centrales au gaz qui vont émettre plus de CO2 et qui, de ce fait, seront d'ailleurs aussi taxées un peu plus. Il faudra acheter des quotas et autres. Donc, c'est une politique, mais complètement aberrante. Et on estime d'ailleurs, Damien Ernst, qui est un professeur à Liège, estime que d'ici 2025, la facture va encore exploser en raison justement de la fermeture des centrales. Donc, il risque d'augmentation de 40 à 50%. Voilà. De 1000 on passerait à 1500 euros, 1400 euros de facture moyenne. En 2025. Alors donc, ça c'est la folie des écolos et de tous les partis traditionnels, le MR, le CDH, le PS qui ont voté tous. Les seuls qui s'y opposent, c'est la NVA et c'est nous, pour être très clair. Mais en plus, je voudrais toujours rappeler, parce que ça c'est ce qu'on paye, la facture que vous payez qui est déjà scandaleuse, mais en plus, ce coût de l'énergie exorbitant en Belgique, il fait que de nombreuses entreprises, grosses consommatrices d'énergie, ne viennent pas s'installer chez nous, ne viennent pas. Donc ça crée du chômage, ça accroît le chômage en Wallonie. Je le dis, Nolé, les écolos et les autres partis traditionnels sont en partie, par leur politique, responsables du fait qu'il y a moins d'entreprises qui s'installent chez nous et du taux de chômage wallon. Il faut le dire et il faut le répéter. Avec nous, on ne partirait pas en ces folies, on maintiendrait le nucléaire pour un certain nombre d'années. D'ailleurs, sans nucléaire, on ne sait pas si on aura de nouveau assez d'énergie cet hiver-ci, avec les centrales et les hivers qui viennent. Donc, il faut revenir à du bon sens. Nos centrales sont sûres, il faut les entretenir par contre. Et moins on investit, plus on traîne, moins les investissements et de mise à niveau sont faits. Il faut réfléchir au nucléaire, la quatrième génération. Tous les pays avancés le font. Un nucléaire sûr, sain, qui brûle d'ailleurs les anciens déchets, qui n'émet pas de CO2. Donc il faut arrêter avec ces délires écologiques qui sont en train de faire de la Wallonie et de la Belgique un pays sous-développé au niveau énergétique. Parce que là, vraiment, la Belgique est prise, on va dire, entre d'un côté son engagement à sortir du nucléaire et d'un autre côté l'engagement européen pour une économie zéro carbone, entre les deux. Complètement contradictoire et impossible à réaliser. Alors, on va rester sur l'Union européenne parce que la Belgique a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'un huissier avait demandé à une justiciable, en fait, de sortir d'une audience parce qu'elle portait un foulard islamique et la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que ce n'était pas une bonne raison de faire ça. Oui, mais tout comme on demande à quelqu'un qui rentre dans un tribunal de retirer son chapeau, de se découvrir, eh bien on avait demandé à cette dame de venir témoigner ce qu'elle a refusé. Et on voit de nouveau ces juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors il faut rappeler ce que c'est les juges de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une cour totalement artificielle, faites pour la plupart de juges qui viennent directement de l'université, qui n'ont bien souvent aucune expérience, qui sont des professeurs de droit de l'homme, de droit humain, etc., comme Mme Tulkens, qui n'avait jamais siégé nulle part, qui est une gauchiste assumée et qu'on a envoyée à la Cour des droits de l'homme. Et ils nous font ce type de jurisprudence où on sape petit à petit tous les fondements. Alors, nous voulons une neutralité stricte. Dans nos cours, on a toujours dit on ne veut pas de couvre-chef.
Hein, un juif qui plaide au niveau du barreau, il ne peut pas le faire avec une kippa. Hein, je veux dire, donc voilà, la règle. Hein, mais on voit que sous la pression de ces juges gauchistes, que nous récusons, on est en train de reculer petit à petit les limites pour nous faire avaler, c'est vraiment le cas de le dire, hein, toute une série de modes de vie, de comportements dont une majorité des citoyens ne veulent pas, Nicolas. Il faut le dire, il faut le redire. Et nous nous opposerons frontalement. Comment? Je puis dire. Comment? Eh bien, deux choses. Il faut y mettre des réserves. Les Anglais, c'est une des raisons pour lesquelles ils sortent, ils veulent sortir par le Brexit. Ils ne veulent plus être soumis à ce type de règles. Il faut revenir à une prééminence de nos règles nationales, pas accepter ni la Convention européenne des droits de l'homme telle qu'elle est aujourd'hui, ni surtout l'interprétation qui en est faite, éventuellement en émettant des réserves, voire en dénonçant, et ou, par exemple, en faisant voter une Convention européenne des droits, des obligations de l'homme, avec tout ce qu'il faut imposer pour justement qu'une société fonctionne. Il y a des droits, certainement, je suis attaché évidemment aux droits de l'homme, avec une certaine limite, bien sûr, mais il y a aussi des devoirs. Un des devoirs fondamentaux, vous arrivez dans un pays occidental avec des règles, vous ne partagez pas ces règles, eh bien, vous devez vous y faire, les respecter. Vous n'êtes pas là pour les modifier. Et donc, ça devrait être un principe fondamental. C'est que les gens qui arrivent s'adaptent aux règles et pas l'inverse. On pourrait établir en 5-6 principes, d'ailleurs, une convention des obligations. Ça peut être des obligations de l'étranger, mais les obligations dans le cadre d'une famille, hein, je veux dire, les obligations d'un père vis-à-vis de ses enfants ou d'une mère, mais l'inverse aussi, des enfants vis-à-vis des parents. On pourrait imaginer de mettre toutes ces obligations, et cette convention des droits de l'homme serait mise en balance avec la convention des obligations de l'homme, et on arriverait peut-être à une société plus équilibrée. C'est pratiquement une révolution morale, ça, l'opposé de tout ce qui se fait actuellement. Oui, mais je suis pour la révolution morale, bien entendu, parce que notre combat politique, il est bien sûr politique, mais il va bien au-delà, croyez-moi. Si on veut sauver l'Europe occidentale, l'Occident, il est temps de faire marche arrière à bien des égards, parce que les expérimentations, le marxisme culturel qui a remis en cause la famille, la structure, les structures familiales, le patriarcat, tel qu'on connaissait. Le fait que nous sommes en majorité des blancs hétérosexuels de tradition judéo-chrétienne, etc. On voit que tout ça, au nom d'une dictature des minorités, est en train d'être battu en brèche pour affaiblir tout ce que nous sommes. Alors, bien sûr que les minorités, il faut les respecter, etc. Mais nous ne voulons pas que ce soit les minorités qui imposent l'agenda, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, nous y répondrons avec plaisir. Et alors, c'est aussi l'occasion de parler de l'immigration, parce que donc c'était lundi. On apprend par Het Nieuwsblad, un journal flamand, encore une fois, que 150 illégaux ont été délivrés, libérés, et que parmi ces 150 illégaux, 32 avaient un casier judiciaire. Oui, alors c'est une incohérence, mais totale, de ce gouvernement qui est partagé par manque de moyens et de manque de volonté. C'est que, voilà, on nous dit maintenant, on veut, parce que les migrants du parc Maximilien, c'est une nuisance importante, on le savait, il y a en plus des violences graves contre un policier, on va y revenir. Et parce qu'on veut régler le problème de ces transmigrants et les mettre dans un centre, on libère une série de gens qui devaient être expulsés, hein, qui sont des illégaux, ça depuis très longtemps, dont une partie sont condamnés pour des faits criminels peut-être graves. Donc on met tous ces gens dans la nature pour prendre les transmigrants et les mettre et tenter de les mettre dans les centres fermés. Alors, c'est incohérent parce que c'est l'un et l'autre qu'il faut traiter, c'est pas l'un ou l'autre dans une politique. C'est que si on veut une politique de fermeté, c'est les prendre tous et les mettre dehors, parce que ce sont tous des gens qui doivent être expulsés, les transmigrants. J'entends Michel qui dit, mais si vous demandiez l'asile, etc., vous seriez protégés, etc. Ils n'en veulent pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est passer en Angleterre, etc. Ils n'ont aucune envie de rester en Belgique. Ils sont ici sans droit et l'Angleterre n'en veut pas. Donc nous n'en voulons pas, ils ne demandent pas l'asile, d'ailleurs ils ne sont certainement pas dans les conditions, si ce n'est à les inventer comme toujours, hein. On s'invente des causes de réfugiés quand il faut vraiment... Mais en réalité, c'est des gens qui veulent aller en Angleterre, l'Angleterre n'en veut pas, et ils ne veulent pas être en Belgique, et la Belgique n'en veut pas. Donc dehors, massivement,
qu'on arrête de jouer, on les prend, etc., on les reconduit. Alors, si on ne sait pas le faire, et quand je vois le coût d'expulsion par avion, etc., mais un par un, arrêtons tout cela, prévoyons à la limite un navire, etc., aménageons un navire dans lequel on peut mettre quelques centaines, quelques milliers de personnes, et on les redébarque à chaque fois. C'est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, probablement. Eh bien, s'il y a des obligations pour un État de veiller à qui sont ses citoyens, qui a le droit de rester, eh bien, il faut mettre en balance tout ça. Et je le dis, si la Convention européenne des droits de l'homme sert à miner ce que nous sommes, à faire en sorte qu'il y ait cette submersion migratoire, qu'on ne puisse plus entrer d'abord, c'est ça en réalité qui se passe, on ne sait plus contrôler qui entre et qu'on ne sache plus de fait expulser les gens, il faut en terminer avec tout cela. Je suis pour une expulsion massive des illégaux, des transmigrants et autres qui n'ont rien à faire ici. Et s'il faut le faire, aménageons des navires pour que ça se passe dans des conditions bien sûr humaines, hein, et on ramène tout ça en Afrique, dans les ports, etc., où ils seront renvoyés, on fera le tour dans les fous, et on fera par milliers ou par dizaines de milliers de personnes, s'il le faut. C'est la seule manière d'arrêter cette submersion migratoire. Et ces faits interviennent peu après l'agression d'un policier poignardé par un sans-abri de nationalité belge et d'origine égyptienne, au parc Maximilien. Alors, avec un policier qui a été effectivement blessé au visage, et puis ils ont dû faire usage de leur arme. Et j'ai vu ces titres scandaleux ou ces déclarations scandaleuses comme quoi la violence serait due à la pression policière dans le parc. On a vu le comité des sans-papiers dire ça. J'ai même vu le soir titrer là-dessus. Mais quelle honte! On a ici nos forces de l'ordre qui font leur travail, qui tentent de maintenir la paix et la sécurité publique. Et on ne les soutient pas, nous sommes derrière eux. Et je veux vous dire, la situation est en train de devenir hors de contrôle. Je ne sais pas si vous avez vu cet article où maintenant on découvre qu'entre la gare du Nord et un bâtiment de la communauté flamande qui se trouve à côté de Tour et Taxi, de la région de la communauté flamande, je dis bien, eh bien, on vient d'établir, tenez-vous bien, des navettes sécurisées pour que les fonctionnaires soient protégés pour les 300-400 mètres qu'ils ont à faire jusque Tour et Taxi, jusqu'au site, etc. Donc, pour messieurs les fonctionnaires, pour l'État, on est obligé maintenant de les protéger parce qu'ils devraient passer par le parc Maximilien et la violence. Ça montre bien que tout est en train d'être hors de contrôle et que s'il n'y a pas une politique de fermeté, bien au-delà de ce que fait le gouvernement, et je pense que l'ANVA voudrait le faire, mais bon, il y a de l'incohérence parce qu'au niveau du gouvernement, ils ne sont pas suffisamment soutenus. En tout cas, nous voulons le faire. Expulsion massive, remettre de l'ordre. Avec nous, ça ne traînera pas. Nous remettrons de l'ordre dans ce pays, Nicolas. Il faut en être certain. Nous voulons un mandat et rien ne nous arrêtera une fois que nous sommes au pouvoir pour remettre de l'ordre. Ce ne sera pas une partie de plaisir, ce ne sera pas facile. On aura les droits de l'hommiste, les lits des droits de l'homme et les de Soave et autres qui crieront comme des poulets qu'on égorge, mais qui hurleront au scandale. Je veux dire, la réalité, c'est que les citoyens, dans leur grande majorité, attendent une remise en ordre de ce pays. Sans ça, nous allons droit vers le chaos généralisé. N'hésitez pas à poser vos questions. D'ailleurs, nous avons déjà une première question ici. J'habite en Flandre, j'aime vos idées et ma question est, quel parti flamand, du fait que vous n'êtes pas présent en Flandre, vous correspond le mieux? Je pense que la réponse a été fournie. Voilà, je crois que nous sommes certainement assez proches de la NVA. Nous ne sommes ni flamands ni séparatistes. Mais à bien des égards, nous voulons mener la même politique d'ANVA, en étant d'ailleurs peut-être plus ferme qu'à certains égards. En tout cas, ensemble, nous pensons que nous pouvons mettre le turbo. Je crois qu'un gouvernement NVA-PP, imaginons, nous aurions la majorité à nous deux. Un cauchemar pour la presse. Ce serait un cauchemar pour la presse, un cauchemar pour les droits de l'hommisme, mais un rêve, je pense, pour beaucoup de citoyens. Alors, on n'aura pas à nous deux des majorités absolues, vraisemblablement, mais on peut en tout cas, NVA-PP, mettre le turbo dans un gouvernement de droite pour mener à bien les réformes nécessaires. Donc voilà, ce serait ma recommandation, en tout cas en Flandre. Ce serait un cauchemar pour la presse, mais la presse, justement, est déjà en train de rentrer dans une phase difficile. Donc on voit que pour Le Soir, quotidien de qualité, Le Soir qui a donc perdu 12,1% d'audience. Alors la débâcle est encore pire pour La Libre, qui perd 22,9%. Donc ce sont des chiffres qui viennent des chiffres très officiels du CIM. Voilà. Alors moi, vous savez, je leur dis d'ailleurs à mes amis, entre guillemets, du Soir ou de La Libre, je leur dis toujours, tant que vous serez dans le politiquement correct, tant que vous voudrez rééduquer les citoyens plutôt que de les informer sur ce qui se passe,
Tant que ce sera votre idéologie, aux uns pro-migrants, pro-ceci, pro-européens, vous voulez donc imposer avant tout votre vision, qui est une vision très centriste de quelques dizaines de personnes, quelques centaines, qui sortent des écoles de journalisme, etc., où on est à gauche, où on est humaniste, où on est pro-européen, où on est pour la migration, etc. Mais vous êtes en décalage total avec la grande majorité de vos lecteurs, pas effectivement quelques minorités de bobos qui trouvent très bien ce que vous faites, mais la grande majorité se détourne fondamentalement d'eux. Et alors, en plus, ce manque de curiosité, vous savez, Nicolas, vous le vivez avec moi tous les jours. Chaque jour, nous avons quoi ? 10 demandes d'interview, 15 demandes d'interview par rapport à ce que nous faisons au niveau international, le movement, etc. Du monde entier. Je ne sais plus où donner de la tête, vous l'avez vu. Et côté francophone, wallon, francophone belge, pas une demande. Il ne se passe rien, ne voit rien. Donc, il n'y a même pas cette curiosité. Vous savez, je le dis toujours, les autres journalistes que je rencontre, européens, ne partagent pour la plupart pas mes idées. Mais ils sont curieux, ils font leur travail. Ils traitent l'actualité. Et globalement, les articles qu'ils écrivent, je n'ai pas du tout à m'en plaindre. Bien au contraire, parce qu'ils sont assez objectifs sur ce que nous voulons faire. Et le problème, un journaliste peut très bien poser des questions parfois plus difficiles ou plus dérangeantes. Mais globalement, ils font un travail sans a priori. Et tant que cette presse wallonne francophone, et les télévisions RTB, RTL, le scandale absolu, maintiendront ça, les gens d'abord ne les écouteront plus, n'acheteront plus et auront de moins en moins confiance. Un exemple aussi de scandale avec l'avenir, vers l'avenir. Qui perd 8,3% en audience. Combien perdent-ils ? 8,3% cette année. Ils perdent. Alors, il faut rappeler que vers l'avenir, c'est aussi des gauchistes qui ont pris le contrôle et c'est les socialistes, c'est les partis traditionnels avec Publifin et Netis qui les contrôlent et qui allongent l'argent. Et alors, on voit par exemple, c'est tellement flagrant, Brian Lalleux, où nous avons une liste très importante qui va faire, des voix. Tout le monde est interrogé, tout le monde est mentionné dans les listes, sauf le Parti populaire. Alors que nous allons certainement faire un très très bon score et que nous ferons peut-être partie de la majorité. Et c'est ça qui est choquant. Toutes les têtes de liste sont interviewées et peuvent présenter leur programme. Et le Parti populaire, il y a juste une ligne où on dit que le Parti populaire sera présenté. Donc, on ne nomme pas la tête de liste. Je dis honte à vous vers l'avenir. Et je dis à nos gens qui nous entendent, retirez vos abonnements de ce genre de... Ce n'est plus de l'information, c'est de la propagande. Et en plus, c'est fait avec votre argent, l'argent public, Publifin, Netis, etc. C'est un scandale absolu d'avoir des journalistes qui sont des propagandistes et rien d'autre dans le pays. Et moi, je dis, quand vous changez d'attitude, moi, je serai correct avec vous. Changez d'attitude, soyez des journalistes curieux. Faites-nous des articles corrects. Et pour le reste... si je peux dire, et vous retrouverez de l'audience. Et tant vous voudrez rééduquer et faire la leçon aux citoyens qui ne veulent plus de l'immigration, qui veulent le rétablissement de la sécurité, qui veulent qu'on respecte leurs valeurs, et pas vous dire on va affaiblir, on va accepter, etc., on va plonger, c'est pas grave, le relativisme culturel, etc., tout, eh bien, c'est le plongeon assuré pour eux, pour la libre, pour le soi, etc. Mais en attendant, c'est avec notre pognon, nos subventions publiques, je le rappellerai toujours, 600 millions d'euros de subventions publiques chaque année à la presse francophone et flamande, 600 millions, 200 000 euros par journaliste en moyenne de subventions publiques qui leur sont concédées. Et tout ça avec de moins en moins de lecteurs, de moins en moins de crédibilité. Alors sur cette affaire de l'interdiction du foulard islamique, ou encore de l'immigration, ainsi de suite. À chaque fois, on parle de l'Union européenne. Donc, il nous reste une minute et j'aimerais savoir quels sont vos projets au niveau européen. Alors, il nous reste une minute, mais il y a encore deux, trois choses à dire extrêmement importantes. L'Union européenne, vous savez, nous sommes en train de créer cette grande union des populistes européens, mais également mondiaux, avec Steve Bannon. Je repars normalement ce week-end faire une tournée où on va rencontrer des leaders européens, plutôt d'Europe centrale, chefs d'État pour certains, chefs de gouvernement. Donc, pour évoquer le mouvement et sans doute qu'il devienne membre. On a énormément d'intérêt, vous le voyez vous-même, des dizaines et dizaines de demandes d'interview. Pourquoi est-ce que je le fais ? Parce que tout le monde se rend bien compte que il y a bien sûr l'action au niveau local, les élections locales, l'action au niveau régional et fédéral, mais nous sommes aussi corsetés par une série de règles européennes, on fait partie de l'Union européenne, etc. On nous dit que ce n'est pas possible parce que 80% des règles viennent de l'Europe et autres. Et donc, si on veut sauver notre mode de vie, sauver ce que nous sommes profondément, pas cette Union européenne technocratique, nous ne sommes pas anti-européens. Nous ne voulons pas de l'Union européenne technocratique qui impose des règles, comme on essaie de le faire avec Orban
Encore, on l'a vu avec sa condamnation récente. Donc, par rapport à tout cela, il faut aussi une action au niveau européen. C'est pour ça que je suis impliqué avec Steve Bannon et tous ces partis populistes, pour que nous soyons suffisamment forts que pour changer les règles du jeu au niveau européen. Maintenant, ça c'est l'Europe, Nicolas, mais je voudrais dire un mot aussi sur ce qui se passe ici en Belgique, les communales. Nous avons déposé, je pense, une petite centaine de listes, un peu moins, communales et provinciales. Toutes ces listes sont valables. On a des recours qui ont été introduits, nous avons systématiquement par agir contre toutes nos listes, petits groupuscules de puants d'extrême droite, etc. La lie de la société, vraiment, quand on voit ce type de personnes qui ont introduit des recours, juste pour... tous ces recours sont en train d'être rejetés les uns après les autres, mais ça prend du temps, il a fallu rédiger des réponses, etc. Et partout, c'est rejeté. Mais donc, on voit combien à la fois l'establishment politique, médiatique, a une trouille bleue du Parti populaire, de son émergence, cette montée du populisme, de monsieur et madame ordinaire, hein, tout en étant dignes, décents, nous sommes des gens dignes, décents, nous ne sommes pas des extrémistes. Et puis on voit la lie des quelques groupuscules fachos, extrémistes, agir en fait partie. Mais on a des groupuscules comme... la droite ou Nation, qui ne valent pas mieux dans leur genre. Hein, on a vu la droite à mourir de rire. Je le dis depuis longtemps, c'est un groupuscule présidé par un escroc qui ne respecte aucune règle. On l'a vu, comment il force des gens à signer. Enfin, après les avoir fait boire. Après les avoir fait boire. Enfin, la lie aussi de... Et tout ça, nous sommes pris, je dis, pour tenter d'empêcher l'émergence, ou en tout cas de freiner... à tout prix. Les partis traditionnels qui ont peur bleue en ne parlant pas de nous, les médias traditionnels, hein, et puis ces extrêmes, ces vrais extrêmes, hein, peut-être même instrumentalisés hein, par l'establishment, tout ça est en train d'être investigué. L'establishment qui nous désigne comme leurs concurrents. Entre, on voit des dépêches belgas, on explique que la droite et nous, nous sommes concurrents. Je crois qu'il y a 80 000 personnes qui nous suivent la page Parti Populaire. Il y en a 2 000 qui suivent la droite. Ça donne une idée de... Hein, est-ce qu'on dit qu'à Liège, le PTB et Écolo vont devoir partager avec Vega, hein, qui ne représente rien du tout. Mais c'est ce qu'un certain establishment voudrait faire croire. Pour tenter d'affaiblir ce que nous sommes. En tout cas, ça ne nous déviera pas de notre but, de notre ligne, qui est d'aller de l'avant et de renverser ces structures, si vous voulez, actuelles, cet establishment politique médiatique qui fait que la Wallonie est en train de sombrer, je dis bien sombrer, économiquement, moralement, en termes de justice, en termes de sécurité, en termes d'enseignement. Nous sommes, Nicolas, je le dis toujours, le seul espoir de redressement. Parce que nous sommes en rupture et parce que nous sommes des gens responsables. Et nous ne sommes pas des extrémistes. Et c'est ça qui les rend fous. Parce que nous condamnons toutes les formes d'extrémisme, quelles qu'elles soient. Et c'est pour ça qu'entre les deux, hein, nous sommes le seul chemin, en fait. Et je pense que des Wallons s'en rendent compte. Pas encore assez, mais ça viendra dans la montée en puissance. Nous avons dépassé notre timing, c'est le moment de finir. Oui, bah écoutez, une semaine, voilà, on est en campagne. On va lancer ce qu'on appelle un petit décor. Vous pouvez faire une campagne virtuelle en rajoutant sur votre photo. Il suffira de cliquer quand vous voyez cette photo. Je vote PP. Eh bien, on va essayer de faire ce qui est des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, pourquoi pas, de gens qui affichent « Je vote PP ». C'est une manière très facile de faire campagne. Comme ça, tout le monde verra cet émoticône, ce déco. On va commencer à le diffuser à partir de cet après-midi et demain. Et vous pourrez, en faisant un clic, il ira se mettre sur votre photo, une manière de faire campagne virtuelle. Parlez du PP autour de vous. Mettez les affiches, ou contactez-nous sous les affiches. Distribuez notre acte. Partagez nos vidéos, partagez cette vidéo, partagez nos messages, partagez nos publications. C'est par les citoyens que le changement arrive. Il n'y a plus rien à attendre de ces gens, hein, on le voit. Ils sont gavés de subventions, mais ce n'est plus de la presse. Donc nous avons encore, heureusement, les réseaux sociaux. C'est le moment de bouger. Et n'oubliez pas de passer aussi une bonne après-midi. Oui. Au revoir.